And mon Dieu, have I a surprise for you, because I am going to introduce one of the biggest talents working at Scorum, and she is going to do a step by step. It's her first time, so be nice, and she's going to do it in her own language. Camille is the first girl to work at Scorum, and she is fucking awesome. Without further ado, je présente Camille. Salut, moi c'est Camille. Aujourd'hui on va faire une vidéo step by step avec Alette à propos d'une pompadour et on va faire quelque chose de sympa. Suivez-moi, on va faire le shampoing. Et moi, bonjour. Donc après une make-up pour vous match. Moi je travaille avec des gants. J'ai eu un problème au doigt il y a quelques mois à cause d'un poil incarné. Donc maintenant j'utilise des gants pour ça. J'essaie de changer mes gants régulièrement, si ce n'est après chaque client. C'est aussi bien plus propre et ça évite les cheveux ou les poils incarnés. Allez. Donc premièrement, on peut commencer à peigner la chevelure. Moi, je commence toujours par peigner les cheveux. J'utilise mon peigne wall avec des dents larges. Et j'ai toujours ma main qui suit mon peigne. Au niveau du dos du peigne, je regarde premièrement comment va le cheveu, quelle direction, quel mouvement. Je regarde quel coiffage je pourrais faire et on peut déjà deviner comment va aller le coiffage et la coupe de cheveux, les volumes que ça peut avoir aussi. On peut déjà regarder où sont les épis, les ondulations. Khaled, il a beaucoup d'ondulations sur ses cheveux. Quand on les sèche, c'est correct, mais ça peut être quelque chose de à contrôler. Donc premièrement, regarder sur cheveux humides et ensuite on peut commencer la coupe. Au niveau du frontal temporal, on a un point de repère qui est le début de l'implantation et au niveau des tempes, on a un deuxième point. Le croisement de ces deux points-là, ça nous donne une ligne que les gens appellent la séparation fer à cheval. Qu'on peut appeler baseline aussi. Moi je la fais des deux côtés, comme ça je peux travailler sereinement et de manière claire. J'utilise pas de pince pour le dessus, j'essaie juste d'humidifier au maximum les cheveux sans qu'évidemment ça goûte de trop. Si vous êtes plus à l'aise de mettre des pinces au dessus pour être sûr de pas toucher votre séparation par la suite, vous pouvez aussi faire. Moi j'utilise cette technique là. Après vous pouvez contrôler par l'avant comment vous êtes au niveau de la séparation, si vous êtes bien parallèle. Vous pouvez aussi contrôler par le miroir. Moi je contrôle juste par le fond. J'ai décidé de travailler avec mes ciseaux. Vous pouvez aussi travailler en peigne tondeuse élévation, c'est comme vous voulez. Ça revient plus ou moins au même. J'ai déjà coupé les cheveux plusieurs fois à Khaled, donc je sais comment réagit son cheveu. Le coiffage va être un coiffage en arrière avec un mouvement qui part comme ceci. Donc des séparations, on dit souvent les séparations doivent être en rapport avec la direction que vous allez avoir. Donc je fais une séparation. J'ai toujours mon index sur le bout du peigne, j'allais dire con encore. Donc 1, j'écarte avec mon index. 2, j'immobilise cette partie-là. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de pince ou de repeigner. Ensuite, je peigne. Vous pouvez peigner deux fois si vous n'êtes pas à l'aise. Et ensuite, entre les doigts. Ce qu'il faut faire attention, c'est d'être toujours... Ça dépend de quel résultat vous souhaitez, mais de préférence, la position de vos deux doigts ici doivent toujours être parallèles à votre séparation et toujours en face de votre séparation, du moins pour la coupe qu'on va faire aujourd'hui. Et la tension que vous allez apporter, c'est ça qui va faire toute l'importance, parce que si vous coupez et que vous n'avez aucune tension, vous allez complètement perdre le fil de votre coupe de cheveux. La position de votre peigne pour peigner, moi je la mets à l'envers et j'essaye d'être le plus proche de ma séparation possible. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous avez toujours la possibilité de soulever avec votre peigne et de regarder en dessous où est votre repère.
C'est comme ça que vous allez garder un lien dans la coupe de cheveux et que vous n'allez pas vous perdre. Ce qui est difficile pour les coupes de cheveux que vous allez faire avec des élévations entre vos doigts, ça va être de garder une bonne tension et de ne pas vous perdre. Donc toujours garder en tête que vous avez toujours un repère et qu'il faut toujours le garder. Ne peignez pas trop, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous perdre. Oh, on repère un petit coup ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser les dents larges de votre peigne. Si vous avez un peigne avec des dents fines et des dents larges, vous pouvez utiliser les dents larges et vous peignez une fois dans le sens. Dans le sens. C'est un cours en fait pour apprendre à zozoter. Vous allez. C'est bien, c'est parce que personne ne comprend ce que je dis en ce moment. Il n'y a que moi qui fais ma blague toute seule. Bref, vous allez peigner dans le sens de votre coiffage. C'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose plutôt like, comme une side part ou quelque chose, un coiffage sur le côté, vous allez plutôt vous peigner comme ça. Mais là, aujourd'hui, on va faire une pompadour. Donc, coiffage a besoin d'être en arrière. Ça vous permet déjà de voir où en est votre coupe. Il faut imaginer que vous avez... trois points essentiels. Vous avez trois points forts, trois os forts au niveau de la tête. L'os temporal, pariétal et occipital. Vous avez une ligne imaginaire qu'il faut créer dans votre cerveau. Tout ce qui est en dessous, ça n'a pas vraiment d'importance. On va couper sur cheveux secs. Mais l'important, c'est d'avoir votre ligne de base, la baseline, faite sur cheveux humides. Enfin, du moins, moi, je la fais sur cheveux humides. Faite et nette. Maintenant je vais passer de l'autre côté. N'hésitez pas à réhumidifier votre cheveu. C'est important, une fois que vous avez commencé une coupe sur le cheveu humide, de la continuer sur toujours cheveu humide. Il faut aussi imaginer que là en ce moment on a fait une séparation. Si ça commence à sécher de manière naturelle, vous allez déjà avoir un pli qui se forme et c'est pas vraiment optimal pour le reste de la coupe. Donc, la même chose, 1, 2, on isole cette partie-là. Pour l'arrière, une fois que vous avez terminé les côtés, vous arrivez à l'arrière, c'est plutôt vous qui allez décider. Moi, j'ai l'habitude de prendre une séparation, de ramener les côtés au milieu et de... cette fois-ci, d'avoir... Oups. Vous pouvez aussi prendre des séparations de côté, diagonale, disons, et de pareil de l'autre sens. Ça va vous permettre de contrôler. Il faut savoir que de toute façon, prendre n'importe quelle section, séparation, de manière diagonale, ça vous permet de vérifier votre coupe. Moi, aujourd'hui, et parce que j'ai déjà coupé les cheveux à Calais depuis plusieurs fois déjà, depuis, je crois que j'ai coupé les cheveux depuis plus d'un an, je sais comment réagit son cheveu et je sais que je peux faire une séparation plutôt, prendre entre mes doigts plutôt de manière droite à ce niveau-là. Vous avez fini les côtés. Là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un peu toujours flou au niveau de la coupe. Ça manque peut-être un peu d'eau. Moi, j'utilise aussi pas de produit dans mon spray. J'aime bien garder les cheveux naturels jusqu'au bout. C'est aussi pour ça que j'ai fait un shampoing... au début, j'aime bien voir comment le cheveu réagit de manière naturelle. Ça vous permet aussi de voir qu'est-ce que va avoir le lendemain matin votre client devant son miroir après sa douche. Maintenant, on va passer à la connexion entre le dessus et les côtés. Donc, vous allez d'abord connecter l'arrière et ensuite, on va connecter l'avant. Donc, venez voir. Derrière les oreilles, vous avez deux os forts, un de chaque côté. Vous prenez ce repère là, vous montez, vous gardez l'index sur le dos de votre peigne pour vous aider. Et ensuite, vous isolez la partie devant, vous peignez la partie que vous venez de séparer. Vous checkez si vous êtes bien des deux côtés, parallèles. Si vous êtes petite comme moi, vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds. Ensuite, je vais prendre des séparations toujours en diagonale.
et je vais ramener sur ma ligne de base. Et là, c'est plutôt vous qui allez décider par rapport à quels cheveux vous avez, par rapport à quel résultat vous souhaitez, si vous élevez ou non les cheveux. Moi, aujourd'hui, j'élève pas trop parce qu'il a un cheveu ondulé, donc il y a une forte possibilité que ça remonte quand on va sécher. Donc pas trop d'élévation. Vous faites une première, on a fait la première séparation. Je vais faire une deuxième séparation. Et là, je vais tout ramener sur ma première séparation. Donc là, on n'est plus comme sur les côtés, on est face à sa séparation. Si vous faites ça, vous allez enlever trop. Donc, je ramène. Des fois, il n'y a rien à couper. Un tout petit peu. Vous peignez une fois. On repart de l'autre côté. Faites en sorte de travailler aussi proprement. C'est-à-dire, quand vous travaillez, essayez de, sans évidemment écraser le crâne des clients, mais de mettre un peu de pression et de travailler avec des séparations claires. Ça va permettre à votre travail d'être beaucoup plus clair et ça va éviter les petites surépaisseurs et les petits escaliers que des fois ça peut créer. On va faire comme ce que j'ai fait tout à l'heure. De profil, vous allez voir. Je ramène tout au milieu, si vous êtes pas même. Et je check s'il y a quelque chose. Ici, vous pouvez voir, il y a un point court et long au milieu. Ça n'a rien à faire là. Ça n'a rien à faire. Maintenant, on va connecter le reste du plateau avec les côtés. Vous avez aussi plusieurs techniques. Encore une fois, je vais vous montrer la technique qui marche le mieux pour Khaled. Il faut savoir qu'il a un cheveu épais, ondulé, mais qui s'assouplit plus ou moins bien au coiffage. On prend une séparation en diagonale. Je ramène tout le plateau d'un côté. Je fais une séparation comme ceci. Et ensuite, je ramène tout. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de trouver le point le plus court que vous avez sur le plateau. De l'autre côté, le point le plus court que vous avez à ce niveau-là. Et entre les deux, toujours avec une élévation, vous restez parallèle à votre séparation. Vous utilisez l'entièreté de votre main pour plus de contrôle. Et vous allez essayer de trouver les deux points courts. Entre les deux points courts, il va y avoir une certaine longueur. Et maintenant, vous piquez. Là, on a mon point court, long milieu. Sur la partie au niveau du front, là il faut être un peu plus vigilant. Vous risquez de perdre trop longueur si vous n'élevez pas assez ou si vous vous basez sur les deux points courts. Donc la partie du front, j'utilise la même technique, mais avec un peu plus de précaution et un peu plus d'élévation. Il faut savoir que vous pouvez toujours couper moins, mais vous... Oula, ça c'était pas français du tout. Vous pouvez toujours enlever la longueur, mais vous ne pouvez pas forcément en rajouter. Donc il faut toujours être plus ou moins vigilant. N'ayez pas peur de couper, mais soyez sur la réserve quand vous utilisez des nouvelles techniques. Cette technique-là, au début, elle était super compliquée pour moi. Parce que je ne comprenais pas où était le point court, où était le point long, ce qu'il fallait couper, où il fallait prendre les diagonales. Des deux côtés, je me trompais. Il faut juste essayer de se poser, faire un schéma. C'est ce qui a marché le mieux pour moi depuis le début. Après chaque formation, j'écris sur un carnet ce que j'ai fait. Je prends des notes, je fais des schémas ridicules avec des bonhommes qui ressemblent à rien du tout. Mais j'arrive à me comprendre, donc j'ai envie de dire c'est essentiel. Donc n'hésitez pas. De l'autre côté, on a travaillé comme ça. Et de ce côté-là, on va utiliser... Soit vous pouvez travailler de la même façon, mais il faut être un peu plus vigilant, pareil. Ou alors, vous pouvez travailler comme ça. Là, c'est un peu comment vous êtes le plus à l'aise. Moi, je suis toujours plus à l'aise de travailler comme ceci. Donc là, cette fois-ci, vous allez ramener, non pas vers l'avant, mais vers l'arrière. Cette technique-là, au début, elle est un peu compliquée. Faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si vous pensez que vous n'êtes pas au bon endroit au niveau de votre séparation, coupez le moins que vous pouvez. De toute façon, on va utiliser un petit peu de grooming tonique, un petit tonique de mise en pli, on va sécher, on va voir comment le cheveu réagit et ensuite vous pouvez toujours recouper. Donc c'est important évidemment
d'avoir ses lignes de base et le maximum que vous pouvez faire sur cheveux humides. Mais il faut savoir que de toute façon, le cheveu, on va savoir comment il va réagir uniquement quand ce sera sec. Tonique de mise en pli. Tonique de mise en pli. On va utiliser le tonique de mise en pli. Le tonique de mise en pli. Faut pas boire, c'est pas bon, j'ai déjà essayé. Le tonique de mise en pli, il est indispensable pour votre coiffage. J'utilise littéralement sur tous les clients, tous les coupes de cheveux avant le séchage. Il permet de gainer le cheveu sans donner franchement de volume si vous n'utilisez pas le sèche-cheveux. Ça dépend de comment vous allez utiliser votre sèche-cheveux. Mais il a un pouvoir magique, ça va permettre de contrôler de manière ultra simple votre coupe de cheveux. Le coiffage va déjà ressembler à quelque chose sans mettre aucun produit coiffant autre que le tonique de mise en pli. Vous travaillez avec ce que vous voulez comme sèche-cheveux, avec ce que vous voulez. Moi j'aime bien utiliser l'embout, ça permet de diriger l'air, ça permet de déjà contrôler où vous allez mettre le volume au niveau de votre coupe de cheveux. Et pour moi il y a beaucoup plus de contrôle avec l'embout que sans. Et au niveau de la chaleur, j'utilise la chaleur moyenne parce que je suis toujours très proche des clients, même si on dit que c'est bien de garder un peu plus de distance. Si vous êtes à l'aise de ne pas brûler votre client, mettez la chaleur maximale et j'utilise la vitesse maximale. J'ai oublié de dire. Moi, je commence soit par utiliser la vent brush. C'est une brosse qui est ouverte, donc l'air passe à travers la brosse. Ou alors, j'utilise ma main et je fais uniquement un séchage avec ma main. Que ce soit avec cette brosse-là, forcément, elle dirige un petit peu plus parce qu'il y a les dents un peu plus serrées que mes doigts. Mais j'aime bien, faut sentir le cheveu de toute façon. Donc n'hésitez pas à utiliser votre main pour sécher. Ça va aussi montrer à votre client que c'est facile de se coiffer le matin parce qu'il va se dire « Oh cool, j'ai juste besoin de me coiffer avec ma main et je suis coiffée ». C'est plutôt vendeur et cette brosse-là est très facile à utiliser. Et voilà, vous pouvez utiliser soit votre main, soit la vent brush pour commencer. Donc là, vous pouvez voir, on a fini de sécher les cheveux. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, avant de vous lancer dans la coupe, enlever l'épaisseur, enlever la masse, texturiser, tout ce que vous voulez. Prenez le temps, prenez une ou deux minutes pour peigner la chevelure. Essayez de trouver un coiffage qui est déjà sympa. Vous pouvez voir qu'on peut, sur l'avant, c'est toujours naturel, ondulé, il y a toujours des petits cheveux un peu fins. Mais c'est pas très grave. On peut déjà voir que l'ensemble de la coupe, elle est déjà là. Maintenant, ça va être plus du détail qu'autre chose. Si vous travaillez avec... c'est ce que mon premier patron m'avait dit. J'ai commencé à travailler chez Monsieur Coiffeur pour Hommes à Landerneau. Et c'était un salon où Stéphane nous obligeait à travailler qu'avec les ciseaux et les rasoirs. Donc on n'avait pas beaucoup... on utilisait très peu les tondeuses. Ce que j'ai beaucoup appris là-bas, c'est parce qu'il était aussi il a été coiffeur pour femmes. J'ai beaucoup appris à propos d'élévation, séparation, comprendre les élévations, les degrés, etc. Ça m'a appris plein de choses et ça m'a surtout appris que si vous travaillez et vous comprenez les élévations que vous allez donner avec votre peigne, vous allez comprendre énormément de choses et vous allez des fois ne même pas avoir besoin, là vous voyez. Certes, ici c'est un peu... Voilà, c'est un peu épais, cette partie-là, elle est clairement pas nette. Mais là, on peut déjà voir que la coupe, elle est déjà là. Et que quand je passe mon peigne, c'est déjà fluide. C'est-à-dire que j'ai pas forcément déjà besoin d'aller texturiser, enlever l'épaisseur, utiliser mon ciseau sculpteur ou mon texturisateur. C'est vous qui appelez ça comme vous voulez. Donc pensez franchement à réfléchir et à toujours vérifier l'élévation que vous donnez avec votre peigne, que vous coupiez avec vos ciseaux, que vous donniez aucune élévation ou non. On va repartir sur clipper overcomb, on va partir sur tondeuse, peigne tondeuse. Pareil, essayez de comprendre les élévations. Si vous avez peur et que vous savez pas, parce qu'on peut très bien élever comme ça, élever comme ça, élever comme ça, élever comme ça, être très proche du cuir chevelu ou non, mais il y a quelque chose qui marche très bien, c'est d'utiliser son majeur et de le mettre un point de repère au niveau du cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à pousser un peu, ça fait pas mal.
Et là, vous avez un point de repère. Et mon peigne, vous voyez, il bouge vraiment moins que si j'étais sans mon majeur, j'ai beaucoup moins de repères. Et une fois que vous avez fait votre ligne de base avec votre majeur, vous avez juste à lever et toujours essayer de retrouver au niveau du dos de votre peigne une ligne repère que vous avez créée. Peigné, majeur. Khaled, il a un très beau cheveu, mais j'ai tendance à toujours vouloir faire un fond de nuque qui est plutôt court. Vous appelez ça fond de nuque, taper, comme vous voulez. Donc moi, je vais partir sur un fond de nuque qui est relativement court. Et vous allez voir que c'est pas parce qu'on a gardé la longueur sur les côtés que vous pouvez pas repartir sur un fond de nuque ultra court. J'aime bien utiliser des sabots quand je fais des dégradés à blanc ou des dégradés américains ou des razor fades, vous appelez ça quand vous avez envie. Mais j'aime aussi, et parce que j'ai aussi appris à travailler sans sabots, donc j'ai toujours tendance à faire mes fonds de nuque sans sabots. C'est beaucoup plus intéressant, il faut essayer de travailler toujours pareil avec l'élévation de votre peigne. Essayez d'être assez proche du cuir chevelu. Mais essayez de sortir comme ça. Si vous restez comme ça, là je rentre et là vous allez faire une ligne droite. Ça va être une belle autoroute toute blanche. Donc ça va pas être très sympa, sachant qu'on essaie de garder une certaine longueur. Donc essayez, forcez-vous à jouer avec l'élévation de votre con, avec votre... Oh aïe aïe aïe, c'est terrible. L'élévation de votre peigne. N'hésitez pas à contrôler au niveau du miroir, toujours regarder votre coupe dans le miroir, essayez de toujours checker plusieurs fois, vérifier, surtout si vous travaillez dans des salons qui sont assez obscurs ou avec une lumière artificielle, si vous n'avez pas beaucoup de fenêtres comme moi là maintenant. Ça va vous permettre de vérifier si vous avez des barres, si vous avez des escaliers, si vous avez des taches, si vous avez... Vous avez des... Ça va très bien, ça va très bien. On y va. Et là, du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, mon majeur, il se trouve au niveau de sa tempe, mais ça a déjà un bon repère. Essayez de pas trop rentrer cette fois-ci. Soyez toujours vigilant avec la position de votre peigne. On vous a pas dit, le nouveau surnom de Bloody Butcher a changé. Maintenant, il s'appelle Robert Tank. Robert Tank. Vice-champion olympique de Hollande. Là, maintenant, je vais utiliser mon ciseau sculpteur, texturisateur, blender, yeah. Scissors. Ce que vous voulez. Ce qui est important, parce que c'est un ciseau qui est sympa, mais qui peut être très dangereux, qui peut enlever beaucoup de masse, beaucoup trop. Donc toujours garder en mouvement quand vous utilisez votre ciseau. On n'a pas besoin d'aller à vitesse éclair, mais toujours essayer de garder un mouvement avec votre peigne et déjà de commencer à utiliser votre ciseau comme ceci. Vous, là, aujourd'hui, la coupe, elle est déjà... Je suis déjà satisfaite de la coupe. Donc on travaille uniquement sur les extrémités. J'ai déjà de manière, au niveau de la coupe, j'ai déjà, disons, enlevé de la masse en élevant. Si vous voyez que vous avez des épaisseurs comme ici, qui sont un petit peu plus massives qu'ailleurs, vous pouvez être un peu plus long si vous souhaitez avec votre peigne rester un petit peu plus longtemps, mais essayez de toujours garder un léger mouvement. Sinon vous allez créer des trous, vous allez créer des zones qui vont être beaucoup plus courtes. Et c'est pas ce qu'on veut.
c'est beaucoup plus fluide au niveau du coiffage. Sur la vidéo, ça va être compliqué de vraiment peut-être comprendre certaines choses, mais le conseil que je vous donne, c'est de toujours fermer vos yeux, de peigner votre chevelure et d'essayer de sentir là où sont les fortes masses, là où vous avez vraiment des masses, des trop grosses épaisseurs. Et si vous êtes plus à l'aise sans fermer vos yeux, gardez vos yeux ouverts aussi. Et regardez aussi, regardez beaucoup comment bouge le cheveu. Vous pouvez voir déjà juste en peignant où se dirige le cheveu de manière naturelle, que ce soit un cheveu ondulé, frisé, lisse. Vous pouvez toujours observer et n'hésitez pas aussi à passer la main dans les cheveux. Ça ne va pas défaire le coiffage, ça va juste pour vous indiquer où sont les épaisseurs. Ce que vous pouvez faire maintenant, ce que je vais faire, vous allez utiliser votre tondeuse de finition ou votre tondeuse de coupe, c'est vous qui voyez. Faites attention si vous travaillez avec votre tondeuse de finition, ça coupe plus. Et là, on va faire un peu de main libre. Faut effleurer le cheveu, allez-y doucement, pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Et là, c'est que de l'observation. Essayez de peigner un peu, pas trop. Juste pour sentir. La première fois que j'ai dû utiliser cette technique-là, c'était au bout de mon deuxième jour, arrivé chez Shoren. Ou chez Shoren. J'ai dû faire une vidéo avec Rob, qui est là. J'ai dû faire une vidéo avec lui. J'étais au salon. J'étais stagiaire à cette époque-là. Il m'a dit « Ok, la petite française, viens !» Donc j'ai fait une vidéo avec lui et je devais utiliser cette technique et j'étais là « Mais what the fuck, qu'est-ce que je fais ici ?» À Rotterdam, au bout de mon deuxième jour avec littéralement Rob là, qui me dit de faire ça. Et je me souviens que j'étais comme ça pendant 5 minutes et il me regardait, il était là comme ça. Et il était là « Tu coupes pas les cheveux en fait, tu fais rien !» Et j'étais là « Aïe, aïe, aïe !» Et j'avais extrêmement peur, donc n'hésitez pas. J'ai déjà fait des trous en utilisant cette technique-là sur des gens importants et dans celui de la mort. Donc n'hésitez pas à aller avec précaution, mais essayez. C'est une super technique, ça rend le coiffage toujours plus fluide. C'est une technique de détail qui est super sympa à utiliser. C'est encore mieux si le fauteuil tourne tout seul. La petite astuce est de toujours aller dans la direction de votre coiffage et dans la direction naturelle du cheveu. Du moins la direction naturelle, dans la direction que vous avez donnée après votre coiffage. Pour être sûr de ne pas vous tromper, de ne pas faire des trous. Une fois que vous pensez que votre coupe est bientôt finie, vous pouvez passer au contour, au détail, au niveau des teintes. Et là encore une fois, c'est vous qui décidez de quelle longueur vous voulez garder, de si vous aimez. C'est un peu votre signature, votre patte maintenant. Alors, je vais vous expliquer d'où vient ma super brosse. C'est du talc à l'intérieur, c'est pas de la poussière en fait, parce que plein de gens pensent que c'est de la poussière. J'étais avec le gars qui fait la vidéo maintenant, qui s'appelle Moutou. Et on était en France et c'était une sorte de vide-grenier. Et c'était quoi? Ah oui, il y avait un jeu de domino. Et j'ai pas de jeu de domino, mais il y avait un motif avec des dragons asiatiques derrière. Et j'étais super fan, du coup je voulais l'acheter. Et en fait le gars, il s'est clairement moqué de moi. Il était là, bah elle est un peu mamie la dame là, donc peut-être qu'elle aimerait ça. Et là il est arrivé comme ça, et il a poussé et j'ai vu que c'était... Là, ça c'est tourné, et il aime bien tourner. Yes. Oui. Oui, oui. Et voilà, et en fait il est arrivé avec ça, et je lui ai piqué, et je lui ai dit,
ça, ça va être définitivement la plus belle brosse qu'on a jamais vue dans un salon de coiffeur. Voilà, c'est tout. Pour finir le coiffage, je vais utiliser cette brosse-là, c'est la brosse d'Edman. Je l'utilise tous les jours. Donc là, on n'est plus sur la fond brush, c'est une brosse classique pour hommes. L'équivalent d'une brosse araignée, plus ou moins. Il n'y a pas de picot au bout, ça change un petit peu. Je vais essayer de garder un coiffage qui est plutôt naturel. Donc je vais essayer de garder toujours un mouvement. Donc ça va être une pompadour, mais plutôt wavy, avec toujours une certaine ondulation au niveau du coiffage. Mais je vais essayer de mettre un petit peu plus d'ordre au niveau des côtés et de garder quelque chose de plus un petit peu plus plaqué. Une fois le coiffage fini, vous pouvez jouer un petit peu avec les longueurs, le mouvement. N'hésitez pas à peigner. Il faut aussi vérifier avec le miroir. Le miroir est toujours un bon indice, toujours révélateur. Évidemment, je ne vais pas vous faire un cours sur l'hygiène. Toujours une lame neuve. Okay. J'utilise la pommade rouge de chez Reusel. Reusel. Eux ils disent Reusel, je crois. À base d'eau, donc vous pouvez l'utiliser facilement aussi sur cheveux humides. Convient très bien aux cheveux ondulés comme droits, cheveux épais comme fins. Ça donne un bel effet un peu mouillé, un effet brillant. Et c'est facile à enlever, à éliminer au shampoing. Et là vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle avait un si beau coiffage et maintenant elle détruit tout avec de la cire. N'ayez jamais peur de passer la main dans les cheveux. Ça va toujours vous permettre de sentir où va le coiffage. Ça va aussi donner, puisque là, en soi, vous pouvez très bien vous dire que j'ai très bien fini comme ça. Si la personne utilise le client le matin, il utilise un peu de cire, il va probablement se coiffer qu'avec les mains. Et on voit déjà qu'il y a un résultat qui... Ça peut très bien être un style que vous pouvez adapter. Mais nous, on va faire quelque chose de un peu plus peigné, un peu plus classique. Optez pour le coiffage, un peigne avec des dents larges pour commencer. Ça me permet de garder toujours un petit contrôle et s'il y a des petits cheveux qui sortent un peu du coiffage, je peux toujours les ramasser et les faire re-rentrer. Vous avez aussi le panier afro que vous pouvez utiliser avec des dents très larges pour garder un coiffage toujours assez peigné mais plus ou moins naturel. Ça n'arrache pas les cheveux. Vous pouvez garder quelque chose comme ça avec une boucle vers l'avant ou vous pouvez tout ranger. Donc voilà le résultat, on est sur quelque chose de pas très court. On a gardé une certaine longueur sur les côtés, sur le dessus. J'ai essayé de, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, de garder quelque chose d'assez naturel, de garder une certaine ondulation. Bon, on a quand même un coiffage qui est très soigné. Mais c'est toujours fluide, c'est pas une pompadour bien droite, bien carrée, bien lissé. Qu'elle est, il a un cheveu qui réagira probablement comme ça demain matin. Donc pour lui c'est aussi l'occasion de voir que avec très peu d'efforts il peut reproduire ce schéma. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et que vous ferez de très belles coupes de cheveux dans votre salon. Like and subscribe. Like and subscribe. J'espère que vous avez tout compris, que ça a été très clair pour vous, que vous avez appris des nouvelles techniques. J'espère vous revoir bientôt sur YouTube. Si vous avez quoi que ce soit comme question, mettez en commentaire, n'hésitez pas à partager, à aimer.
Et puis pour retrouver des vidéos un peu plus marrantes, parce que c'était littéralement la vidéo la plus sérieuse que j'ai jamais fait de ma vie, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, ça s'appelle The French Cacalac. Et voilà, je suis un peu plus rigolote sur Instagram. Salut! Bye. La Mayenne. It's cool, right? Awesome, yeah. Now I can believe you guys. It looks very good. Yeah, it's cool, right? Yeah, awesome. Jolie coupe de cheveux. Jolie coupe de cheveux. J'ai une jolie coupe de cheveux. Très bien.